Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode. Et oui, déjà sixième épisode de la campagne de WW2 et je suis toujours avec Iceman, comment ça va? Non, c'est pas moi et ça va pas. Bon, de toute façon on reconnaît ta voix, de toute façon t'es Si, mort, toujours. t'es grillé, t'es... on a reconnaît ta voix. Ah si, je suis toujours là, toujours là, toujours en forme, la patate, comme d'habitude. Ah, exactement. Octobre, Aix-la-Chapelle. Bon, Les Boches la défendent comme des on fait ce forcenés car chapitre c'est la dans première la fois forêt que l'une d'Aron, de leurs villes par est envahie par Balmain. les Alliés. Oh. Ce ne sera pas la dernière. T'as dit quoi? Parce Allez, que pourquoi? On part en Allemagne, parce que là c'est en Allemagne là qu'on va. Ta 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 ta. Vas-y. 3, 2, 1, go. On pensait que la Cinématique. libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière Avance toujours ouest en de France. l'Allemagne. Davis nous a ordonné Merci. de tout Moi, je nettoyer, pute. maison par maison. Il doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Ne pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission. Oh. Eh, remuez-vous un peu. Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit. Eh, hey, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniel, c'est pas Red. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la... Ça suffit, les conneries! Quel enfoiré. On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est ça, c'est le coup de la claque. Faut croire qu'on a... Là ouais, la claque dans la... Sans exception. A tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. Il a fait une rime là. On y va! On y va! Oh, là. On dirait une map sur Allez, MW2, tu sais. Daniel! Je sais pas comment ça s'appelle. C'est bon, je suis là! Baisse la tête! Ouais, il n'y avait qu'un avion de base, normalement. On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps! C'est okay. En chemin, ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des pleins des arts! Couvre notre pour plan! Là tous et laissez-moi réfléchir, on bon dieu! Pour ça, chef! Bon, Daniel! Toi et Ayello au téléphone avec Pearson! Vite! Allez, c'est parti! Ah, je viens de voir où on est. Oh, quelle map on est. Ah, c'est C'est pas Gibraltar? Non, Gibraltar, c'est Aken là. Ah, c'est Aken. I believe I can fly. T'inquiète pas, je la retiens au montage celle-là. Oh, j'avais pas vu, j'ai un bazooka en deuxième arme. Daniel, son téléphone. On a besoin des chars. Eh, au téléphone, au téléphone. Daniel, au téléphone. On est dans le parc. Dagwood White 2-7 à Villa. Oh, ça on est chaud. Sous le feu. Demandons et... appui immédiat sur ligne phase okay. 2. Ah, c'est nous qui contrôlons le parc. Ouais, ça va bien. Nous exposer sur le plan. Ok, ah, ramenez vos fesses le plus vite possible. Bien compris, on se met en route. Et maniez-vous, c'est pas que tout réduit son charpie. Terminé. Franchement, il me fait kiffer. Voilà, j'ai posé le téléphone. Oh. Bon, les gars, direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position on va piloter. On bascule en communication par radio et interphone. Mm-hmm. Tu pilotes. Rapson, coupe par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Perez. Abrams, Poul. Restez en position ici avec la seconde section. Oh, le char. Restez vigilants et
Faites gaffe aux fantassins en fenêtre. Ok, Rapson, en route. Il me fout des armes en pleine gueule, lui. Unité Panzer Shrek! Fantassin Bosch a un paquet de maisons. Tire d'armes laser, ils attaquent les nôtres. Rechargement en cours! Feu à volonté! Panzer Shrek, droit devant, tout là-haut! Panzer Shrek, aux étages supérieurs! Panzer Shrek, prenez droit! Dagwood White 2-7 à Vilain, quelle est votre position? On approche! On élimine un îlot de résistance sur le flanc ouest! À vous! Dépêchez-vous, Perez! Terminé! Rapson, la première section se fait pilonner! Ok, on met la gomme! On met la gomme, mais on peut pas aller plus vite. Rapson, ralentissez! Je vous vois plus! J'ai la cathédrale en vue! On y est presque! Panzer, sur la droite! La droite! Hansen? Incendie dans l'habitacle! Aux écoutilles! Merde! Non! Non! Merde! Sortez! Sortez! Hansen! Non! C'est ça, oui, c'est un mec comme ça pour. On va prendre de côté! Bien sûr! On reste en mouvement! Blindé sur notre droite! Au but! Tire direct! Au but! Rechargement en cours! Le tir a rebondi sur l'avant! Le tir a ricoché! On est touché! On se fait écraser! Panzer, côté gauche! Les obus n'arrivent pas à perforer le blindage avant. Côté droit, la perche de côté droit. C'est pas vrai. Où ils sont passés? Blindés sur notre gauche. Reviens. Il reste plus qu'un char. Char, on est trop exposés. Je suis mort, non. J'ai la cathédrale en vue, on y est presque. Panzer, sur la droite, la droite. Hansen, incendie dans l'habitacle, aux écoutilles. Merde, non, non, merde. Sortez, sortez. Hansen, non. Eric, ce panzer est trop bien face. On va le prendre de côté. Cassé, on reste en mouvement. Le tir a ricoché! Tir confirmé en plein flanc! Raté! Ça dans le collimateur! Le tir a rebondi! C'est dur hein, quand même! Rechargement en cours! L'obus a ricoché sur l'avant! Tout ça en ligne de mire! Comment tu veux le détruire? Ouais.
pas perforé le blindage avant. L'obus n'a pas perforé le blindage. Comment je peux l'éclater, moi? Faut l'éclater de côté, en fait, pas de face. Il est en train de fumer, en tout cas. Hein? C'est bon, j'ai... J'arrive pas à le trouver, en fait. Hamsan, vous me recevez? C'est un tigre! Attirez-le! Merde. On doit viser ses flancs! Non, mais je crois que je suis Keblo, en fait. On a un autre Panzer ici aussi! Au but! Ils nous ont dans le viseur! Le blindage a dévié! Vas-y! Panzer à droite, le reste est hors de portée! Ouais, je vais mourir, là. Je vais mourir là. Il ne faut plus arpenter, il nous a renvoyé ma terre. J'en ai deux au cul maintenant. C'est bon. Rechargement en cours. J'ai le salaud. On va se débarrasser des tirs. Il n'est pas question de repartir avant d'avoir les tirs. Mal. On va pas pouvoir en supporter plus. On peut charger. Tire direct, au but. Oh. C'est bon, moi j'ai réussi. Mais tu dois les péter de côté, tu sais, les tanks en fait. Ouais, je sais. Nul le chat. Je vois plus les ennemis, on doit les retrouver. Il y a un chat que j'ai perdu de vue. L'ennemi bon. Détruit. Rejoignons la colline d'où venait le tigre. Le théâtre devrait être au sommet de cette montée. Un coup de voix et deux sets à Villa. T'as fini aussi? On tiendra pas plus longtemps. Villa n'a d'un coup de voix et deux sets. Je vais finir le tank. Ramson s'est fait descendre. Bon. Il reste plus que nous. Je suis de retour à Tarnin. Nous sommes en haute. C'est pas ce que je peux d'ici. Le théâtre est juste à côté. Détruisez les packs qui visent le théâtre. Je peux pas le join, wesh, je suis mené, quelque chose. Véhicule ennemi en approche, détruisez-les! Rechargement en cours! Fantassin et Panzer Shrek dans les appartements en face! Ils se retirent, les lâchez pas! On y est presque, liquidez les survivants! Silencieux proche, là-haut! C'est bon, moi j'ai fini avec le char. Non, 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 putain, je suis mort. Ça m'énerve, j'ai le stress en même temps avec les autres là, ils me stressent un peu là, tu sais, parce qu'ils m'invitent et tout, mon gars. La good wake terminée. Bon, Perez va rester en position devant le théâtre pour couvrir notre flanc. Nous, on va pousser en direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route! Ok, c'est parti.
Totel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ça serait plus simple si on avait quelques chars avec nous. Perez doit maintenir sa position. Allons ouvrir la marche, soldat. Surveillez les fenêtres. Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme. Restez à couvert. Mitrailleuse, restez pas dans la rue. À la tente, trouvez un point d'entrée. Oh, 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 oh. Il fait chier lui là-bas là. Calmez les gars. Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. On pourrait grouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation! Daniel, Sussman, vous ouvrez la voie. On y va! Restez sur vos gardes. Cet appartement pourrait grouiller d'Allemands. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. La voie est libre! En avant, restez vigilants. Daniels, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter! Wouah! Je vois rien du tout! Daniels! Allez, en face! Descendez-les! Le passage est bloqué! On doit se débarrasser de ces moches! Je les vois pas! Restez baissés! La fusée s'y chute! Préparez-vous à tirer! Non mais qu'est-ce qui fait la vie avec Sam Pomp? Je peux dire ça c'est pas bon. Sergent, donnez-moi leur position. Ouais, vas-y, j'en ai marre, moi, je fais que crever. Putain, c'est relou. Hein? Oh non, en plus, ça se trouvait là, quoi. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh, très drôle. Daniels, vas-y. Oh. Merde, merde! Ah,
Non, je suis mort, mais non. T'as une fumigène de marquage, Aiello? Ce bahut nous bouche le passage, on va le pousser. Aiello, enlève le frein et prends le volant. Allez! Ouais, figé! Daniels, on a besoin d'un peu. Saloperie! Les pneus ont l'air intacts. Il reste de l'essence. La batterie a du jus. Il faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise! Ta gueule, Einstein! Ok, on y va! Préparez-vous, les gars! Daniels, encore un mur. Perce-moi ça! Il est tous au tapis, d'accord? Reculez! Yes, vous êtes un peu l'artillerie à se diriger! On doit nettoyer le hall! Sussman à droite! Aiello à gauche avec moi! Stiles à l'étage avec Pearson! À vos ordres! Affirmatif! Ils sont branchés dans la ligne principale! En face! Une mitrailleuse dans l'escalier aussi! Allez-y, prenez-les à faire! Merde! Ils sont partout! J'ai plus de munitions moi. Comment je fais? Pas demandé pour ça. Ah moi. Ah il y a des munitions là de toute façon. What? Balance là. Avec moi. On l'occupe. Restez groupés. Restez groupés. Styles, j'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Ok, de quoi? C'est rien, gosse. Quelqu'un a du chocolat?
Tout va bien. On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger. Ma soeur. Pitié. Aidez-nous. Non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef. Vous devriez venir voir. Elles sont pas que deux. c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Je me suis pris un coup de porte sur Shrek directement dans la gueule. Ne parle pas Bosch, ma belle. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Ayelo... Mais nique ta mère, deuxième coup de porte dans Shrek, cache dans la gueule. Ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Ersus Man. Foutez-moi la paix. Jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. J'en reviens pas que Sussman nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire que vous faites 4 portes poches. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est la merde, au fait. Oh, le bâtard, il a failli la mettre. Allez. Ok. Pas en avoir pour bien longtemps. D'accord, on te couvre. Ta mère. Mais putain. Cette mission, elle va me saouler. C'était sûr que ça... Ok, je suis pris un rocket en pleine gueule. Ouais, moi aussi. Hey. Mais wesh, ouais, mais d'où il sort de comment tu veux. C'est abusé. Gros, je me fais spot trap. Moi aussi je peux le faire. Il y en a combien qui ont des lance-roquettes? Je sais pas du tout. Débrouille-toi! Putain, je meurs trop vite. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça, là. Décide-toi. Gibson a raison, Daniels. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ce sont des civils, ils ont besoin de nous. Traverse la zone et carre-le dans la rue. Oui, sergent. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'elle dit là? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben elle peut y rester, on doit tirer tout ce monde de là. Allez! Ouais, bah, ils vont essayer de dire. Tu as 2 minutes! Je viens aussi.
Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Putain, faut que j'aille chercher la petite maintenant. Oh putain de merde. Depuis quand une gamine ça va dans les droits, des endroits où il faut pas. J'y vais. Ah mais même moi gros, je suis en train de la chercher mon gars. Putain, j'ai plus d'armes. Oh, je me casse la gueule dans les escaliers, bah d'accord. Et merde. Anna, je dois trouver Anna. Elle est où? Anna. Elle est là. Hé, petite. Viens. Retournons voir ta sœur maintenant. Viens là. Tu l'as trouvé, toi? Ouais. Oh putain, moi. Ah ouais, je l'ai trouvé aussi. Oh merde. Attendez, je me rends. C'est été capturé. Ah merde. Tout va bien. Putain! Non, non! Surtout tirez pas! Mais putain, comment tu veux qu'on sorte de là? Tout va bien. Il va t'infiltrer. Ah, mais moi je suis pas trop un mec qui. Je suis toujours un mec qui fonce dans le tas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, puis ils vont partir d'eux-mêmes en fait. Et ils partent d'eux-mêmes? Ouais, ouais, au bout d'un moment ils bougent eux-mêmes. Ah ouais. Merde, j'étais capturé, fais chier! Je suis un débile. Ok, même sur la fin, faut pas se faire capter, ok. Je te protégerai. Merde, mais moi je suis toujours au départ, j'arrive pas à partir. Non, mais en plus, ma caméra n'aura plus de batterie. On doit passer par où, merde? C'est Steve qui m'avait une nouvelle fois en partie. Ouais, non, tirez pas, tirez pas. Tu peux pas, pas... Non, c'est... Tu peux pas dire partir, tu peux pas... Si. À quel moment il y a toujours un mec un troisième mec qui se ramène? Ah ouais, t'as le troisième mec qui se ramène, mais faut juste se mettre sur le côté. Comment sur le côté? Il n'y a pas de côté. C'est bon, il n'y a plus de batterie dans la caméra.
Je te protégerai. Kaspar, nein. Kein Anzeichen von Feinden. C'est parti pour le dernier moment. Allez, viens ici, Klebs. Ok, là, là. Continue à le tirer, je suis mourou. Sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Na, jetzt wird nur. Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Tu t'en sors très bien. On y est presque. Tu vas devoir être courageuse une dernière fois. Je peux pas laisser une game comme ça au plein milieu de tout ça. T'as pas le droit de faire ça, c'est pas. Je suis là, Anna. Impossible de passer par là. Oh chaud. Ok. Bon, j'ai terminé mes chapitres. J'entends des coups de feu, pas par ici. Franchement, c'était bien, bien agité, bien difficile comme il faut. C'est bon. Faut qu'on se tire d'ici. Conduis-la au camion. C'est bon, moi je suis dehors. Bah moi c'est moi je vais te terminer. Par contre gros, moi je sais pas comment je vais faire moi pour. Bon, après je sais même pas si les autres, tu sais, ils sont là. Okay, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer des tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions! Ah d'accord, quand tu disais les chiens, ouais d'accord, je viens de comprendre. Et là c'est la fin j'imagine, non? De quoi? C'est la fin après, quand je suis dehors. Faut que tu fasses ça, ouais. Faut que tu fasses le truc au complet et ensuite que ça passe. J'ai pas envie de mourir. Ah ouais, ouais, Valentin. Ouais, gros, désolé, frère, je suis encore en tournage. Là. Bon, ça que je t'ai parlé par message. La rue est dégagée. Tout le monde va bien? Ouais, tout le monde est là. Je sais pas si tu m'entends sur le live. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäusen? Ja, ich kann fahren. Allez, venez. Putain, bon, apparemment ça part en freestyle. Ça te dérange pas, Nicolas, que je rejoigne? De quoi?
Ouais, que je rejoigne mon pote pour faire le truc. Ah non, vas-y, vas-y. Je termine la vidéo, t'inquiète. Bah, je te remercie. Bon, bah, du coup, les abonnés, je suis désolé de partir en avance. Mais il y a le devoir qui m'appelle MDR. Donc, du coup, bah. Bah, je vous dis, lâchez un petit like sur la vidéo si la vidéo vous a plu. Ne vous étonnez pas. Hein. Je le fais avant Nicozer, à rien faire. Puis bon, bah, venez voir ma chaîne aussi. Hein. Ça fera plaisir. Allez, vas-y, ciao! Vas-y, bye bye, Nicozer. Ouais. On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains. Voilà les gens, c'est la fin de, voilà, de ce sixième épisode. Ouais, j'étais perdu tellement que c'était assez long. En plus, Iceman il est parti au même moment que j'ai fini le tournage. Voilà, en tout cas, voilà, très très compliqué cette mission-là, surtout quand je devais esquiver. Ah, vous l'avez vu de toute façon sur la vidéo. C'était une très très grosse galère de sortir de là. Mais une très très, ça est, franchement, la campagne, toujours sixième épisode, toujours aussi terrible, toujours aussi bien. Franchement, ils ont vraiment tout déchiré sur ce Call of là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour nous dire surtout si vous avez fait la campagne, qu'est-ce que vous en pensez de la campagne, si vous l'avez terminé, etc. Parce que nous sommes au sixième épisode. Mais quand vous voyez le sixième épisode, ce sera vendredi. On tente cette vidéo là le 12 novembre. 19. Ouais, voilà. Non, quand vous voyez cette vidéo là, c'est le 17 novembre. Nous tournons ça le 12 novembre. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager pour qu'un maximum de personnes puissent nous découvrir, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît. Je mets quand même le lien du live et le lien de la chaîne de Iceman en description comme d'habitude. En tout cas, je vous fais très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis très très bonne semaine, week-end, etc. C'est la première fois que je dis ça, mais je vous dis à la prochaine. Allez, peace! Te quiero, puta.